Bonjour, je vous présente aujourd'hui le roman de Thomas Gunzig, Rocky dernier rivage, qui est sélectionné pour le prix des visionnaires de 50 ans Nivernais. Fred a pensé à tout. C'est un homme prudent, un homme avisé, un homme fort riche. Il est l'incarnation du self-made man millionnaire et sûr de lui. Fred a acheté une île loin de toute civilisation, au cas où. Au cas où des guerres, des épidémies feraient vaciller notre monde. Sur cette île, il a fait construire une maison tout confort, le grand luxe. Une maison hyper connectée. Fred s'est même payé le luxe d'y faire livrer de grands crus les meilleurs cigares des mets de choix, des fringues et des chaussures de marque. On y trouve une salle de sport, une piscine. Il y a même un logement, pour les employés de maison, ce couple sera là pour l'entretien, le ménage, la cuisine, bref, pour s'occuper de l'intendance. Fred est un homme prévoyant. Mais il prévoit quoi, me direz-vous Il se dit que si le pire arrive, lui et sa famille seront prêts à l'affronter. Et le pire arrive. Les voilà sur l'île, sains et saufs. Ils espèrent y faire un séjour de courte durée. Mais bientôt, les connexions s'éteignent, le monde est mort et ils sont les derniers survivants. Alors c'est comment la vie sur cette île paradisiaque C'est un enfer. Chaque jour se ressemble, Fred, Hélène et leurs deux enfants n'ont aucun projet, alors ils s'enferment chacun dans un isolement fait de calmants, d'alcool et de souvenirs, souvenirs d'un monde qui avait un sens. Ce roman grinçant, dérangeant est aussi une fable sur notre absurde besoin de posséder, d'engranger. Cette folie de tout maîtriser par le pouvoir et l'argent, cet individualisme forcené met lui aussi un point final à notre civilisation. Thomas Gunzig brosse le portrait d'une famille très trop gâtée, qui, comme le monde qu'elle a quitté, court à sa perte. Quand plus rien n'a de sens, comment continuer à vivre Et pour les adolescents de la famille Alexandre et Jeanne, quel avenir peuvent-ils espérer sur cette île déserte Le paradis devient un enfer jusqu'au jour où... Pour connaître la suite, venez emprunter Rocky, dernier rivage, dans le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yveline. Pour rappel, vous avez jusqu'au 26 avril à minuit pour voter pour le titre que vous avez préféré. Vous pouvez le faire sur place en médiathèque ou aussi en ligne. Bonne lecture et à bientôt